Breaking news. Breaking news. Breaking news. Côte d'Ivoire, édition spéciale. La fête de la Tabaski, comme elle se doit pour les communautés musulmanes du monde entier et en Côte d'Ivoire, s'est tenue le dimanche 16 juin 2024. CNN a campé ses caméras à la mosquée de la Riviera Golf de Cocody. Merci de rester sur CNN. Breaking news. Breaking news. Pour accomplir le devoir du bon musulman, il n'est jamais trop tôt. C'est à la Riviera Golf à Cocody que les fidèles musulmans de cette mosquée se sont donné rendez-vous. Ils sont arrivés de part et d'autre. Le grand chancelier de la République de Côte d'Ivoire, M. Ali Koulibaly, le président de l'Assemblée nationale, l'honorable Adama Bit Togo, et plusieurs ministres du gouvernement ivoirien de confession musulmane. C'est à 8h19 que le ministre d'État, ministre de la Défense, M. Tene Birahima Ouattara, représentant du président de la République de Côte d'Ivoire, son Excellence Alassane Ouattara, est arrivé à la mosquée de Cocody Riviera Golf pour la grande prière marquant la fête de la Tabaski, avec à ses côtés le ministre Touré Mamadou de la promotion de la jeunesse de Côte d'Ivoire. C'est à 8h28 que l'imam de la mosquée fait son entrée dans ce lieu saint de la mosquée de la Riviera Golf de Cocody. La cérémonie de prière annoncée par le muezzin, dans toute la piété qu'impose la religion musulmane, en présence de toutes les autorités musulmanes, membres du gouvernement, corps diplomatique, dans leur humilité, remettant ainsi leur vie, leurs activités, leurs doléances et celles du peuple de Côte d'Ivoire à Allah, le Tout-Puissant Miséricordieux. Allah a été évoqué, remercié pour tous ses bienfaits. Ils étaient nombreux, les fidèles musulmans, occupant tout l'espace réservé de cette mosquée de la Riviera Golf de Cocody, parmi lesquels des enfants, des jeunes, tous implorant Allah pour ses grâces divines. Et au pupitre, l'imam Traoré de la Riviera Golf a imploré les bénédictions du miséricordieux avec foi et piété. La ilaha illallah. الله أكبر الله أكبر ولله الحمد شير فريش السير لوانجع الله سبحانه وتعالى لسينير دمون لكليمان لميزيركورجي par essence et par excellence. Maître du jour de la rétribution, nous lui rendons grâce et les remercions de nous faire vivre ces mois sacrés. Je voudrais profiter de ces moments sacrés pour vous entretenir succinctement sur la foi et la piété en l'islam. Elles sont étroitement liées. La foi est la base, tandis que la piété est l'expression concrète de cette foi dans nos actions quotidiennes. Chers frères, chers sœurs, la foi et la croyance à Allah subhanahu wa ta'ala et en ses messagers. C'est un engagement profond du cœur envers la vérité de l'unicité d'Allah subhanahu wa ta'ala et à l'authenticité de la prophétie de Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. La foi se manifeste
par des actes de dévotion et la pratique des cinq piliers de l'islam, à savoir la profession de foi, la prière ou la salat, la zakat ou l'aumône légale, le jeûne du mois de Ramadan et le pèlerinage à la Mecque ou le hajj pour ceux qui en ont les moyens. La foi se manifeste également par la recherche constante de la proximité d'Allah subhanahu wa ta'ala en posant des actes d'adoration, par l'accomplissement des bonnes œuvres et en s'éloignant de ce que Allah subhanahu wa ta'ala déteste. À ce propos, Allah subhanahu wa ta'ala nous dit dans la sourate 49, verset 7, Allah vous a fait aimer la foi et il a embelli dans vos cœurs et vous a fait détester la mécréance, la perversité et la désobéissance. Ceux-là sont des bien guidés. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. لا إله إلا الله الله أكبر الله أكبر ولله الحمد Chers frères, chers sœurs, la piété est la conscience constante de la présence d'Allah subhanahu wa ta'ala et la crainte de les décevoir. C'est un état d'esprit qui guide nos actions et nos choix. La piété se traduit par l'obéissance au commandement d'Allah subhanahu wa ta'ala et l'évitement des interdits. À la fin de cette cérémonie de prière, l'imam Traoré de la mosquée Riviera Golf de Cocody a remercié le ministre d'État, ministre de la Défense de Côte d'Ivoire, M. Tinibiraïma Ouattara, représentant du président de la République de Côte d'Ivoire, son Excellence Alassane Ouattara, empêché, indépendant de sa volonté, par le sommet sur la paix en Ukraine, qui, une fois terminé, il se trouvait dans le ciel, entre l'Europe et l'Afrique, avec son arrivée prévu à 16h le même dimanche 16 juin. Le ministre d'État, ministre de la Défense de Côte d'Ivoire, M. Tinibiraïma Ouattara, s'est exprimé face à la presse nationale et internationale et au micro de CNN Télévision. C'est un immense honneur pour moi de représenter Son Excellence Monsieur le Président de la République à la célébration de l'Aïd el-Kébir qui marque la fin du Hajj. Et bien entendu, la commémoration du sacrifice d'Abraham. Nous avons prié tout à l'heure sous la conduite de l'imam Traoré et je voudrais féliciter particulièrement l'imam pour le bon déroulement de cette cérémonie. Nous avons prié pour nos défunts, pour nos malades, bien sûr pour toutes les populations de Côte d'Ivoire. Comme vous le savez, la prière unie. Et je voudrais dire que l'Aïd el-Kébir a ceci de particulier, c'est que c'est un moment de partage pour tout le monde, pour toute la communauté musulmane et donc pour toutes les populations vivant en Côte d'Ivoire. Je voudrais remercier le COSIM avec à sa tête l'imam Diakité pour toutes les prières qui sont faites pour le bien-être des populations de Côte d'Ivoire. Je voudrais enfin, au nom de son Excellence le Président de la République, souhaiter bonne fête à tous et à toutes. Je vous remercie. Une fois cette grande prière achevée, une fête de Tabaski qui s'est poursuivie dans tous les domiciles où chaque musulman, au nom du sacrifice d'Abraham, a immolé un mouton pour un grand moment de partage. CNN Télévision a recueilli pour vous quelques impressions. Nous étions un grand rendez-vous de la foi au Créateur. Donc il mérite d'être célébré dans toute sa dimension humaine comme spirituelle. Et aujourd'hui, ce jour pour la Côte d'Ivoire doit inspirer la paix. Rien que la paix, pour le bonheur des Ivoiriens. Et parce que la Côte doit être transformée grâce à une vision éclairée du président de la République.
de ce que nous souhaitons, que Allah puisse accorder encore une longue vie au président d'Abri Alassane Ouattara pour qu'il puisse continuer ses œuvres. Quand on vient louer Allah Subhanahu wa Ta'ala, elle est toujours bonne. Donc on ne fait que louer Dieu qui nous a permis d'être là ce jour. On souhaite à toute la population une belle bonne fête et que Dieu fasse que l'année prochaine encore on se retrouve dans ces mêmes conditions avec toujours à notre tête le chef de l'État bien-aimé, le président Alassane Ouattara, et que Dieu veille sur nous et que veille sur la population ivoirienne. Merci d'être sur CNN, la télévision autrement. Les programmes se poursuivent. Retrouvez toute l'actualité afro-mondiale en ligne et en multidiffusion sur CNN, CWeb Info et plateforme digitale, Facebook, YouTube, Instagram et en simultané sur Radio Voltage 2.